4 gigas sur board, c'est simple, que tu sois débutant, intermédiaire ou confirmé, bah écoute, tu peux prendre du plaisir avec les gigas. Pourquoi? Bah t'as du volume, t'as de la portance. Ça te permet tout simplement bah, de retravailler les fondamentaux dans le surf et c'est génial. Là, vous avez la 5.5 en M, vous avez du volume, cette planche là elle est vraiment top pour des intermédiaires, des surfeurs intermédiaires à confirmer. Vous avez du volume, mais elle est quand même performante. Bon, pour des petites conditions vraiment top, on peut charger un petit peu et du coup elle est vraiment polyvalente et c'est vraiment top. Là tu as la 5.5 XL. Donc c'est vraiment cool. Donc pour quelqu'un qui veut débuter, qui n'est pas de grande taille, c'est le top. Sinon pour quelqu'un qui sait surfer tout simplement, bah ça va te permettre de travailler tes appuis. Pourquoi? Tu as du volume, t'as un gros squash à l'arrière, donc c'est mortel. T'as quand même un double concave sur l'arrière de la planche qui te permet de vraiment travailler les rails des fois. Donc c'est vraiment mortel, t'as du volume. De préparation, donc c'est toute la gamme Giga Surfboard, c'est des boards en époxy, donc ce qui est cool c'est que c'est léger, ça a du volume. Vous avez sur la board, sur l'outline de la board au milieu, une latte en carbone qui vous permet quand même d'avoir une solidité de la board. Donc vous n'avez pas de latte, c'est un pin uni qui est vraiment cool. En round pintail aussi, vous avez bien sûr le double concave qu'on retrouve sur toute la gamme Giga Surfboard qui vraiment envoie du pets. Bon voilà, l'atelier By The Wave est à 200 mètres de la plage. Allez, on équipe les boards et puis on y va. Ma planche de tous les jours, donc les vagues sont pas trop au rendez-vous, mais bon, on va aller essayer de choper quelques vagues avec, et après on va essayer de retranscrire ma petite session sur mes gigas et on verra si vraiment ça, les gigas ont du potentiel dans des petites vagues. On verra. Conditions comme ça, assez compliqué, donc on va faire un petit récap. J'avais le boîtier By The Wave sur moi, on va faire un récap de la session, de la micro-session surtout. Donc on est sur 10 km/h, grand max 11 km/h, longueur de vague, on est à 14. Ok, c'est ça que j'ai vu, c'est ça? Ouais, 11-12 mètres. Donc pour la moyenne à peu près, je tournais autour de 7-8 km/h, grand max sur mes vagues. En distance, j'allais être de 5 mètres à 10 mètres sur l'eau, comme j'avais pas beaucoup de portance avec la planche. Objectif, bon, maintenant on va essayer les gigas. Donc on a la 5.5M et la 5.11 en XL. Voilà, on va aller tester ça. We'll be right back.
c'était assez petit. Quand je suis retourné tout à l'heure à l'eau avec la 5.5M, c'était top. J'ai pris au moins 13 vagues, en sachant que les vagues ils n'étaient pas très, très grosses, pas très puissantes, donc il fallait quand même pousser et pomper, c'était très fluide. Voilà. Après j'ai pris la 5.11 en XL, alors je me suis régalé, j'ai pris aussi 13 vagues et j'ai pris ma meilleure vague en 5.11, donc mortel. Il y a vraiment une différence entre la Tomo qui est en 5.11 et qui est vraiment fine, et la 5.11 qui est en XL, qui est vraiment fat. Donc, et du coup, vu les conditions, bah pareil, plus de flottabilité, plus de facilité à la rame, pour la prise de vague, c'était encore mieux. On doublait, voire on triplait la distance de ride d'un shortboard classique à 1 giga. Donc ça, je trouve ça génial. Bah écoutez, je remercie vraiment le Surf Center By the Wave pour m'avoir accueilli à Molliette pendant le week-end, c'était vraiment cool. De plus, je remercie Giga Surfboard parce que les fondateurs de la marque, Thomas et Fanny, ils sont géniaux et sincèrement, il y a de beaux projets qui vont arriver. Donc je vous en dis pas plus, mais ça va venir. Donc, voilà. Allez, salut et bon ride à tous! Donc voilà, on est à 200 mètres de la plage, l'atelier By the Wave. Sur le tag, un petit bleu concave. Yeah!